de commencer l'après-midi par une séquence poétique. Je vais laisser à Brigitte le soin de vous faire part de ce poème qu'elle a écrit et qui est manifestement en lien avec la thématique sur laquelle on travaille. Libres indisciples, il vous donne cette illusion quand nos troubles nous avancent dans la pénombre d'un incertain combat qui les hante. C'est pourtant la lumière qui se réfléchit dans leur vie, à ne point se plier ni se taire. Libres indisciples, leur engagement convoque lucidité et force, puisant dans cette exigence intérieure qui les porte au service d'un autre, pris dans une existence affaiblie, de ces silences lourds et impuissants, libres insoumis. Quand le vent dépose des semences, venues d'un ailleurs, de vie en friche qui ose espérer encore un accueil, si l'humanisme s'affranchit lentement dans l'oubli, la colère gronde, se mue en révolte, libres insoumis. La souffrance des vulnérables n'apporte que peu de droits. Ce n'est de résister et espérer pour y croire, convoquant chacun à ne pas céder aux causes perfides, ni aux intérêts personnels et aux silences complices. Un dossier de solitude pour faire entendre la disciple de ses combats humains à être libre et poursuivre. Bien, donc nous allons poursuivre un petit peu cette réflexion avec ce que j'appelle maintenant les acteurs du quotidien, les acteurs au quotidien. Et donc, je repose la question, et toi, qu'est-ce que tu fous là, Brigitte Baudin, Guillaume ? Un passé professionnel partagé, comme avec Patrick d'ailleurs, me permet cette familiarité. Brigitte est directrice adjointe d'un service d'éducation spécialisée et de soins à domicile à la PEH. Elle est aussi formatrice vacataire à l'USPS. Donc, avec Brigitte, nous allons aborder cette action au quotidien, ces petits riens qui font la vie institutionnelle et lui donnent sens. C'est anodin, si important, des pratiques éducatives et sociales. Brigitte a exposé la pratique de son institution dans un ouvrage coécrit avec Lara Montagnac, qui est aussi quelque part dans la salle, aux frontières des territoires de l'ordinaire. Et pour parler de son intervention, j'ai envie de reprendre un petit peu le point de vue de Gabriel Godard, qui a préfacé cet ouvrage, où il indique elles illustrent très bien le fait qu'il est possible, malgré les lois visant à la normalisation, malgré les différents contrôles et contraintes, de soutenir du désir dans ce travail institutionnel qui ne soit pas réductible à un simple projet d'établissement qui imposerait son diktat. Cette histoire peut servir de repère à d'autres aventures, à ceux qui veulent encore tisser de l'humain dans le travail social, le soin et l'éducation. Je donne la parole à Brigitte. Merci. Pour introduire mes propos, je dirais d'abord que travailler dans des zones d'éducation prioritaire, puisque c'est le cas, nous met souvent en tant que professionnels dans une position de témoin et aussi d'acteur d'une vie certes qui est ordinaire, mais aussi qui est parfois propice à de l'inattendu, de l'étrangeté, où l'ordinaire se conjugue avec l'extraordinaire. La complexité se nourrit de mises en tension qui vont toucher plein de domaines, sur le plan psychologique, social, parfois culturel, éthique et avant tout humain. Nous n'avons de cesse de questionner au quotidien cet environnement, les sujets qui y habitent, les enfants qui s'y construisent, avec leur vulnérabilité et aussi leur richesse humaine. Nous n'avons de cesse aussi de questionner nos pratiques, de les faire évoluer en bougeant parfois les lignes.
En effet, je travaille et je dirige un service d'éducation et de soins pour enfants et adolescents, porteurs d'un handicap psychique reconnu par la MDPH, avec des symptomatologies très diverses. Ça peut aller de la phobie au mutisme, du repli à la fermeture psychique, du comportement, avec des manifestations de pulsions destructrices même. Mais ce qu'ils ont peut-être tous en commun, c'est surtout qu'ils ont une pathologie du lien à l'autre et parfois à leur environnement. Mais nous avons pris le parti de ne pas enfermer ces enfants dans le signifiant handicap. Pour nous, ce sont avant tout des enfants et des adolescents qui se présentent avec leur vulnérabilité psychique, qui se conjuguent souvent avec une vulnérabilité de leur quartier, puisque nous travaillons dans des quartiers dits REP+, c'est la dernière terminologie, mais on peut aussi dire zone sensible, dans tous les sens du terme, parce qu'effectivement, ce sont des zones sensibles. Accueillir, accompagner, soigner aussi ces enfants et adolescents dans ce milieu qui est bien singulier, nécessite en effet de prendre la juste mesure de ce terrain d'intervention pour y ajuster nos pratiques et aussi, quand on le peut, pour pacifier ce territoire de vie. En effet, assurer nos missions nécessite certes une pratique engagée, mais aussi d'en épouser un certain nombre de préalables que je vais présenter en trois points. Le premier préalable, je le nommerai promouvoir une éducation qui prenne en compte la singularité de chaque sujet que nous accompagnons. Cela implique de pouvoir accueillir l'enfant et l'adolescent comme il est, avec ce qu'il est, et avec aussi l'expression de ses symptômes, et donc de ne pas renoncer à s'engager dans une relation qui se présente à chaque fois comme singulière. C'est là toute la difficulté du travail d'orfèvre de nos professions. Parce qu'il nous faut accepter ce qu'on aurait, l'épreuve d'altérité, c'est-à-dire accepter ce qui est vraiment étranger à nous, mais à la fois ce qui nous fait humainement identiques. Nous le savons, il n'y a pas de clinique, il n'y a pas de soins, il n'y a pas d'éducation sans acceptation de la rencontre. Et pas n'importe quelle rencontre. Une rencontre non obstruée par le désir de nominer l'autre, de le rendre semblable à nous-mêmes, ou à une commande qui vient d'un ailleurs. Et c'est là qu'apparaissent peut-être les premières formes de mise en tension avec les pratiques. Notre secteur médico-social, puisque c'est le secteur dans lequel je travaille, qui est de plus en plus imprégné dans une recherche de lisibilité des pratiques et aussi un souci d'objectivation, déploie comme d'autres secteurs, depuis une quinzaine d'années, une multitude d'outils, de grilles, de cotations, de procédures, qui sont souvent là pour objectiver les situations quand ce ne sont les personnes. Certes, ça a des aspects positifs. Ça donne des repères, c'est indéniable. Ça rationalise les coûts, on est tout à fait d'accord, que parfois c'est nécessaire. Ça rassure aussi les professionnels et aussi les tutelles. Cependant, sans vouloir tout remettre en question par rapport à ça, il y aurait eu quand même de questionner le sens de leur usage, dès lors que ces outils de mise en conformité viennent se substituer à un travail d'élaboration, d'analyse, de recherche de sens dans les pratiques professionnelles. Plus préoccupant, c'est lorsqu'ils se substituent à ce nécessaire échange humanisant qui autorise dans la rencontre à évoquer ce qui fait problème, les points de souffrance, les points d'espoir, dans cette dimension où forcément le professionnel est nécessairement engagé dans sa parole, dans sa posture. Dans notre service, l'équipe accueille et protège ce que l'enfant et l'adolescent amènent de sa singularité. Parce que nous savons depuis longtemps que, depuis ce territoire d'intervention, nous ne pouvons pas échapper à la complexité des conduites humaines, ni à la pluralité des données du réel, même parfois humainement insoutenable, ni aux affres de l'imaginaire quand ce n'est de la pathologie. Sans ça, nous avons parfois du mal à accepter cette tentative d'uniformisation des pratiques dans un lieu où nous accompagnons tout ce qui est le moins conforme sur le plan humain,
et qui pourtant convoque nécessaire réponse humaniste. Pour terminer ce préalable, je dirais que si parfois ça peut réveiller quelques colères chez nous, depuis lors, on a appris à en sourire. Deuxième préalable, c'est permettre, voire encourager une pratique engagée avec ses diverses déclinaisons quotidiennes. En effet, il y a lieu de soutenir, surtout depuis une fonction de direction, la posture du travailleur social, du soignant, lui permettre d'être debout dans une position d'acteur engagé dans ses actes, dans ses choix professionnels, inscrit dans une démarche projet donnant du sens à ses actions. Cette posture ne relève pas seulement d'un diplôme, bien que ça peut y contribuer. Mais ça ne suffit pas. Ce qui contribue aussi, c'est une mise au travail continuelle, personnelle et professionnelle. Cela implique le désir d'abord d'être présent, au plus près de l'autre, aussi différent qu'il soit de nous, capable de s'impliquer dans la rencontre avec celui pour lequel on est mandaté. C'est aussi s'autoriser à dire et prendre le risque d'une parole qui se tient plus des convictions que des certitudes. C'est aussi œuvrer avec ses pensées, ses actions, pour injecter de la vie possible dans toutes les situations, même les plus contraignantes, les plus hostiles, faire autrement, autre chose, à partir de l'existant. C'est aussi accepter les prises de risques. À partir du moment où on est dans la vie, et de surcroît dans des missions éducatives, il n'existe nulle part le risque zéro. Dès lors qu'il y a engagement dans l'éducation, on le sait, il y a au cœur de notre travail une mise en tension permanente entre une sécurité qui est nécessaire et aussi une prise de risque. Cependant, l'inscription d'un service dans un espace qui est porteur de fragilité sociale, qui est aussi humainement complexe, peut donner naissance à quelques pratiques innovantes dès lors qu'on s'autorise justement à dépasser toute appréhension. On peut s'y montrer très actif dans le bricolage, cette qualité anthropologique qui venait effectivement d'un monde de Lichtrauss, qui est au service d'une adaptation nécessaire face à un environnement qui bouge constamment. Cette capacité à se réinventer, à se réajuster dans le réel, témoigne aussi d'une force de résilience. Nous l'activons constamment, en collectif, mais aussi avec des jeunes dont nous nous occupons en les mobilisant, en mobilisant leurs ressources, en les inscrivant dans l'art, dans la culture, dans l'éducation populaire, dans l'éducation solidaire aussi, et divers projets entrepris permettant de mobiliser chez eux des compétences nouvelles, voire pour certains même de déployer des richesses qui sont souvent cachées. Le troisième préalable, c'est la dimension éthique. Je la nommerai comme la nécessité d'adopter une posture éthique à la faveur d'un éveil à la responsabilité. Vous l'avez compris, pour nous l'éthique n'est pas du côté du prescrit, mais bien de la responsabilité. L'éthique convoque cette relation de soi à soi-même, de son être-là. D'où l'importance de cette question qui nous porte chacun dans nos pratiques. Pourquoi sommes-nous? Pour qui sommes-nous là? Si Rosalie disait « Qu'est-ce que tu fous là ?» Moi, je le formule comme ça. Pour qui sommes-nous là? Selon Emmanuel Lévinas, l'éthique, c'est la responsabilité pour autrui. C'est un choix que l'on pose et qui nous engage dans une relation avec l'enfant, avec l'adolescent, avec l'adulte qu'on accueille et qu'on accompagne. Dans certaines situations, ces choix ils peuvent faire des bornes. Et il faut qu'il y ait débat. Il faut vraiment que ça débatte, à la mesure de notre sens des responsabilités, tant dans le vécu de certains jeunes que dans les décisions et les conséquences des actes qui peuvent être posés. Et c'est là, c'est dans ces débats notamment, qu'on réalise la portée de cet engagement au service de l'autre. Cependant, dès lors qu'il s'agit de rechercher la responsabilisation et l'engagement d'une équipe, cela implique aussi de la conduire le plus souvent possible, dans une posture d'acteur, voire je dirais aussi auteur de ses pratiques.
Nous ne pouvons envisager de travailler les questions de responsabilisation sans soutenir et autoriser l'autonomie des professionnels. Cela implique de ne pas dévoiler le professionnel de son sens des responsabilités aussi. Cela implique pour lui de prendre acte de ses choix, d'en rendre compte, de les évaluer et aussi en assumer les responsabilités. Cela se conjugue avec une posture exigeante, chez une exigence qui tourne à la faveur du sujet qu'on accompagne, de sa construction et aussi de son devenir. Être responsable éthiquement, c'est donc développer notre capacité à rendre compte de ce que nous faisons, pouvoir en parler, pouvoir l'écrire, l'évaluer dans le sens, lui donner de la valeur. C'est aussi faire en sorte que les outils de l'évaluation interne et surtout externe ne soient pas uniquement des faire-valoir à certaines mises en conformité qui peuvent parfois s'apparenter à des coquilles vides, mais plutôt soient de réels outils venant interroger cette nécessaire adéquation entre l'esprit des lois. Je pense par exemple aux lois 2002, 2005, 2007. Donc cette adéquation nécessaire entre l'esprit des lois et les pratiques institutionnelles de terrain. Il y a des responsabilités éthiques qui sont à prendre et qui nous engagent tous pour ne plus voir ou participer à certaines pratiques usagées et ES et humainement obsolètes. En conclusion, je dirais, dans un avenir qui se conjugue déjà au présent, il faudra avoir un esprit d'aventure pour sortir de certaines impasses humaines, voire humanitaires qui se présentent déjà à nos portes. Il faudra être armé de patience, de valeur et de conviction. Il faudra aussi être étayé de théorie, se référencer pour expliciter nos modes d'intervention. S'engager, c'est se tenir debout plutôt que subir. Cela nécessite de mise au travail de chacun pour s'engager dans l'action. Et d'autant que les évolutions sociétales conduisent actuellement à certaines impasses, on le sait, des impasses économiques, sociales, humaines et surtout écologiques, notre secteur d'activité aurait à gagner à stimuler les équipes vers l'innovation sociale. C'est important. Pour terminer, je convoquerai Victor Hugo, qui a écrit « Tout ce qui augmente la liberté augmente la responsabilité. » Je rajouterai que toute responsabilité assumée et engagée à la faveur de l'humain en situation de vulnérabilité ouvre aussi une liberté de champ d'action. Alors, beaucoup de choses sont possibles. Voilà des choses tout à fait intéressantes pour les bricoleurs du travail social, que nous sommes tous. Des réactions ? Madame, je voulais juste vous dire que j'ai travaillé exactement dans le même service que vous, avec les mêmes enfants. Même type de pathologie pendant 30 ans, il y a même bientôt 20 ans de ça, et j'ai eu l'impression de retrouver tout ce qui nourrissait notre travail et notre action, et ça m'a beaucoup ému parce que j'avais l'impression que c'était des choses qui s'étaient perdues avec le temps, et entre autres qui s'enfouissaient peut-être aussi sous la pression effectivement des nouveaux modes d'appréciation, des nouvelles contraintes qui parfois submergent les professionnels, les équipes ou les institutions. Et que pour moi, ça a vraiment été une expérience de ce que vous avez dit, de l'altérité et de la rencontre. L'altérité et la rencontre des deux côtés, c'est-à-dire entre nous, les professionnels, et ces enfants, ces adolescents, qui nous sont complètement étrangers par moments, qui parfois nous insupportent, parfois nous font perdre les pédales, mais aussi comme c'est incroyablement enrichissant de se mettre dans cette position-là, qu'il y a quelque chose à chercher, à découvrir avec eux, et pas en pensant ce qu'ils doivent être eux. Et
si ça peut continuer ce travail, ben vraiment, ça me fait beaucoup de bien. Je ne suis pas payé pour faire de la publicité, mais tout ce que vient de dire Brigitte en 20 minutes est bien développé dans le bouquin qu'elle a été avec la Rame Montagnac et que vous pouvez trouver au stand librairie. Oui, Marc. Oui, à propos de l'engagement, j'aurais deux questions. La première pour M. Barcaroli, dans le contexte social, économique actuel, au regard de nos partenaires qui ont leurs propres engagements, jusqu'où aller dans l'engagement et la défense des valeurs, dans la rencontre avec ces partenaires qui ont d'autres engagements? Voilà un peu les propos de ma question, parce que la dimension économique, gestionnaire et comptable prime sur l'humain à un certain moment, jusqu'où peut-on aller dans la défense de nos valeurs et de notre engagement? Voilà pour la première question. Pour la seconde qui concerne Brigitte, justement, dans l'évolution législative, où sur le terrain, nous avons de plus en plus de règles qui sont, disons, bien souvent contraignantes, qu'est-ce qui justifie une prise de risque actuellement dans l'engagement? Voilà, merci. Alors, évidemment, je n'ai pas de réponse définitive à la question que... C'est la vôtre. À la question, oui, en tout cas à la question que vous me renvoyez. Je peux vous... Ce qui me vient à l'esprit quand vous dites ça, quand vous rappelez cette question des limites, c'est que, il n'y a pas très longtemps, dans l'association que je préside, nous avons été amenés à tirer les signaux d'alarme concernant une action singulière. Il s'agit de l'AMO, pour ne pas la citer. Et nous avons eu, à un moment donné, la conviction que ça ne pouvait plus durer comme ça. Après l'avoir dit, bon, face à face, après qu'au nom du conseil d'administration, le président ait écrit le conseil départemental, donc, nous avons pris le parti à un moment donné de dire, puisque c'est comme ça, nous arrivons. Voilà. Ce qui a eu pour effet de relancer la discussion, bien entendu. Mais je crois qu'effectivement, il faut savoir, il faut pouvoir à un moment donné dire non. Il faut. Parce que. Et c'est pour ça que, enfin, que moi j'ai aimé cette réflexion que finalement il m'a donné de faire par la proposition de Philippe, parce que l'action commande toujours l'action, bien entendu, et puis c'est toujours très vite qu'il faut aller, il faut toujours répondre à des besoins qui sont là, et puis on défend nos associations, et puis on défend nos salariés, on est bien conscient que quand on prend une position comme celle que je viens d'évoquer, on prend un risque quand même, voilà. Mais à un moment donné, il faut le dire. La deuxième image qui m'est revenue, c'est quelque chose qui s'est posé en interne, à propos d'une action, c'était une action qui concernait l'accompagnement de médiateurs scolaires. Et il y a eu un débat dans d'autres associations. Il y a eu un débat qui portait sur l'éthique. Est-ce que nous le faisons, est-ce que nous ne le faisons pas? Parce qu'il y avait des arguments qui allaient dans un sens, des arguments qui allaient dans l'autre. Et nous avons vraiment pris le temps, la discussion s'est vraiment engagée au sein du haut. Et puis, j'ai pris la décision de demander au directeur de cette action, qui portait le projet, de venir nous voir. C'était pratiquement dans l'instant, parce qu'on avait un CA qui devait prendre une décision très rapidement, pour que nous, au travers de ce qu'il nous dit, nous puissions réinterroger les questions qui nous préoccupaient. Alors bon, voilà, j'ai un mot qui vient maintenant, c'est courage. Il faut, si on dit que l'engagement, c'est aussi protéger les valeurs, ça veut dire qu'il faut protéger les valeurs. Et donc, il faut, à un moment donné, se mettre à
côté, se regarder avec et dire oui, bon, c'est compliqué, hein, mais voilà. Juste parce que, bon, allez, je suis intervenant, mais tant pis, je réponds quand même. Moi, je dirais le risque des associations, je dirais les responsabilités associatives, c'est l'autocensure. Il faut être vigilant de ne pas s'autocensurer au motif qu'on a des partenaires qu'il faut respecter, etc. Et parfois, les partenaires nous disent, interpellez-nous, ça nous aide aussi parfois. Donc, évitons l'autocensure, faisons en sorte de dire ce qu'on a à dire. Je parle effectivement du risque d'une parole hein, qui effectivement soutient plus les convictions que les certitudes. Mais j'entends la question de Marc différemment. Par rapport au risque, oui, il y a une identification des risques dans le terrain, dans le sens où les situations sont humaines de plus en plus complexes. La question qu'on se pose, c'est si on veut être dans la vie, voilà, parce qu'autrement on enferme. Voilà. Si on veut vraiment être dans la vie, dans l'accompagnement dans la vie, forcément, la vie est une prise de risque. Voilà. Déjà, si on veut vraiment, si on parle de l'inclusion, c'est un mot, là, on a tout ce plein de bouche, l'inclusion sociale. L'inclusion sociale, pour chacun, est une prise de risque. Alors, quand on accompagne des enfants et des adolescents qui ont des pathologies, alors, au nom du fait qu'ils ont des pathologies, voilà, on va, d'ailleurs ça a été un peu un schéma sur lequel on a fonctionné pendant des décennies, on les laissait dans les établissements, on ne prenait pas trop de risques et tout. Là, à partir du moment où effectivement on travaille dans leur milieu, forcément on accompagne, et on accompagne dans la vie, on accompagne dans une prise de risque. Voilà. Il y a plein d'exemples au quotidien, on se dit, c'est un peu limite. Alors bien sûr, si on peut sécuriser. C'est pour ça que j'ai toujours cette mise en tension entre une nécessaire sécurité et une prise de risque. Mais on est toujours dans ce questionnement. Il faut pas, voilà, on ne peut pas être sur zéro risque ou nier, parce qu'on est dans la vie. Ceci dit, on fait le pari en travaillant comme ça, d'être quand même plus dans une dynamique vivifiante que dans quelque chose de mortifère. Quand il n'y a plus de risque, ça peut être aussi très mortifère. Voilà. C'est un choix qu'on pose aussi, qui nous engage. On en prend la responsabilité. Puis après, effectivement, la prise de risque, elle est dans des détails, parce que des fois, effectivement, tout ce petit détail, que des fois on subit des choses sur lesquelles on est obligé de faire des pas de côté. Quand on a des enfants qui sont en train de faire cultiver dans un jardin pédagogique à l'Ariane, et qu'on leur dit « Non, non, tu ne peux pas manger, c'est parce qu'il n'y a pas de traçabilité là, de ce que tu es en train de récolter. » Mais qu'on sait qu'on peut aller au supermarché, à Auchan qui est à côté, acheter autant de tomates qu'on veut, qui sont pleines de pesticides, et là, qui peuvent consommer, on se dit, à un moment donné, il y a une prise de risque qui est basée sur le bon sens. On sait effectivement que nous, les produits qui sont dans le jardin, s'ils mangent une tomate, il y a moins de risque que de manger la tomate de Auchan. Voilà, mais effectivement, on est obligé de faire certains pas à côté, qui sont un peu des prises de risque aussi. Voilà. C'est autant d'exemples voilà, qui mettent quand même aussi l'enfant et l'adolescent dans la vie, dans ce quartier-là. Vous avez compris, les supermarchés ne commencent pas notre colloque. Hein. C'est pas là pour aller, je pense. Merci Brigitte. Bien. Écoutez, je vous propose de passer au chapitre suivant. Hein. On va se rajeunir un peu. Oui, non, ce n'est pas des auditeurs par rapport à vous, mais... Non.